Salut tout le monde, j'ai pas pu résister à vous faire un petit unboxing de la boîte de Mother of Dragons, des A Song of Fire and Ice, du jeu d'Ocraso Yaf. Voilà, ça fait depuis le temps que je l'attends, donc j'ai bien réussi à l'avoir. Merci à la boutique de Spatioport, puisque c'est grâce à cette boutique que j'ai réussi à l'avoir. D'habitude, c'est sur asoyaf.fr ou MaxiRev, les deux au top. Là, ils étaient en rupture, donc j'étais trop impatient. Donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Il y a plein d'unboxing, mais je n'ai pas eu beaucoup en français. Et du coup, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous en faire un sur cette boîte. Donc, on va l'ouvrir vite fait, juste pour qu'on voit ensemble à quoi il ressemble, ces figurines. Donc, on est sur les dragons. Hein. Ils sont tant aimés par les joueurs. Non, c'est bien sûr une blague puisque c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort, mais bon, ça on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est des beaux bonhommes, quoi. Voilà. C'est pas comme ça déjà. C'est superbe, quoi. Donc on a les trois socles. Ça, on les connaît bien. Voilà. On sort sur la boîte. Voilà. Donc on a les cartes. Dans les cartes, du coup, ça doit être les anciennes. C'est la version anglaise. Hein. Donc on a la version anglaise. Donc ça c'est Regal. Voilà. Avec son coup en point, enfin son coup en point qui est là. Et toute sa carte ici. Ça n'a pas dû beaucoup changer. Voilà, on vérifiera. Viserion. Donc le dragon un peu blanc. Hein. Voilà, superbe. Et Drogon, donc celui qui est tout noir avec les intérieurs des ailes rouges. Bon, ils font tous la même chose en fait, hein, simplement que chacun donne un effet différent. Donc lui, il donne paniquer. Donc Viserion va vous rendre vulnérable. Et Régal, donc affaibli. Donc avec ça, on a les cartes aussi de Daenerys, la mère des dragons. Donc ça aussi, hein, on va les ouvrir, mais je pense qu'ils ont changé avec le 2021. Toujours un peu en mettant à les ouvrir. Voilà, on va y réussir. Donc on a ces cartes. Voilà. Les cartes, l'attachement. Donc, carte du plateau aussi politique, général. Donc comme toujours, hein, on les a en double. Voilà. On va pas les lire en fait, hein, puisque je pense réellement que les anciens ont changé avec 2021, j'ai pas vérifié. J'étais tellement pressé de l'ouvrir. Mais voilà, elles sont là en tout cas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les bonhommes. Donc ces bonhommes, complètement, toujours bien conditionnés. Ça j'aime bien, hein, le fait qu'on puisse remettre après les bonhommes dans les boîtes. Donc c'est superbe quoi. Enfin, j'adore ça quoi. J'adore. En commençant par Daenerys. La mère et le dragon. Donc, voilà un peu. On n'arrive pas bien à voir, j'ai l'impression, mais c'est vraiment super joli, quoi. La gravure est super jolie. Et, on va essayer de zoomer, mais. Non, ça fait pas bien, mais bon. Le visage est bien gravé. Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Ensuite, donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir au niveau des cartes. En fait, voilà. Drogon, il est là.
Ouais, c'est bien Rogon. Il pèse son poids quand même, hein. Donc il n'est pas. Voilà. Il est vachement bien. Toujours aussi sympa. Donc ça, c'était Drogon. Là, on est sur Rigal. Rigal. Donc, super, quoi. Super. Avec le petit socle scénique. Enfin, il y a de quoi faire, quoi. Vraiment, il y a de quoi faire. Un truc sympa au niveau peinture. On fera certainement aussi peut-être un tuto rapide ou. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa des trois dragons. Mais voilà, et là le dernier, donc Viserion, pour vous montrer. Hein. Voilà. Le dragon blanc, c'est superbe à l'échelle de Daenerys. Voilà, j'adore. Bon, c'est un peu un coup de cœur, j'avoue que en ce moment, voilà, c'est un jeu que j'ai toujours adoré. Et pour le coup, eh ben voilà, je suis un peu retombé dedans et je suis bien retourné retombé dedans parce que c'est un jeu qui est fabuleux. Conseil à tout le monde, facile de prise en main. Et d'ailleurs, on va justement faire un podcast rapidement avec la goule sur le jeu, sur ses impressions, puisqu'il a fait sa première démo hier. Là, je sais pas quel jour ça sera quand on postera la vidéo de l'unboxing, mais en tout cas, on l'a fait hier, on est le 27 août hein, aujourd'hui, donc pour vous dire, il y aura un peu d'écart tant qu'on poste la vidéo, mais en tout cas, voilà, donc il y aura un podcast, je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui seront faites dessus, parce que c'est un peu mon coup de cœur, et puis on va organiser des choses, peut-être des petites parties filmées, des discussions, il y a plein de sites sympas, les Andals, sont top. Je conseille tout le monde à aller voir la chaîne YouTube Les Andals. Enfin, c'est pas Les Andals d'ailleurs, enfin, vous tapez Les Andals à Soyaf et vous allez tomber sur les vidéos de la chaîne YouTube qui est faite, c'est super. Il y a Walou qui fait aussi des choses super. Asoyaf.fr, forcément, que je conseille parce que du coup, il y a tout dessus. Humble Bundle, le shop, forcément, pour aller acheter des produits qui sont mais comme celui-là, quoi, super. Et plein de conseils sur les factions. Enfin bref, la communauté est top. Enfin voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Même si je connaissais, j'ai fait un petit tournoi dessus déjà, je m'étais régalé. La communauté est vraiment super. Il y a un Discord aussi qui existe, qui est bien actif et surtout avec beaucoup de jeux sur TTS pour ceux qui veulent jouer un peu à distance et même qui veulent s'entraîner. Et même sur TTS, ça. Enfin voilà, c'est à l'écoute quoi. Donc je conseille. Donc voilà, c'était un petit unboxing rapide. Ça me fait plaisir de vous le montrer. Je suis tellement content de les recevoir. Voilà. Allez, ciao les gars, à bientôt.